Passons à présent au conflit commercial entre le Japon et la Corée du Sud. Le Japon a officiellement retiré la Corée du Sud de sa liste blanche des pays bénéficiant de procédures de contrôle simplifiées pour les exportations. La mesure est entrée en vigueur mardi à minuit. La Corée du Sud ne bénéficiera plus de restrictions commerciales minimales pour les produits sensibles, y compris les composants électroniques. Et les entreprises japonaises doivent recevoir l'approbation au cas par cas du ministère japonais de l'économie avant que de telles marchandises puissent être exportées. Le ministre japonais du Commerce, Hiroshige Seko, a nié que cette mesure vise à frapper durement l'économie sud-coréenne, affirmant qu'il s'agissait d'une décision nationale visant uniquement à mettre en place des contrôles appropriés des exportations.